Assalamu alaikum wa rahmatullah, Ramadan Mubarak. Bienvenue à notre maison, Jinnah Highway. Assalamu alaikum. Voilà, la première journée de Ramadan Hanaya. Et on va vous montrer. On fait les choses simples. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est comme ça qu'on commence notre bouffe. C'est très très simple, pas beaucoup de bouffe. Comme je vous ai expliqué dans le PDF, je fais les choses très très simples. Je commence avec un petit peu de sel de mer. Je sais qu'il y avait eu des gens qui ont été concernés par la tension au gars. La vérité, vous allez, votre tension elle va descendre. Une petite pincée, juste une petite pincée. Machit kilo t'as un peu de sel. Il y a une différence entre le sel de mer et le sel de table. Des gens m'avaient envoyé des liens et j'avais très bien expliqué c'est la différence en minéraux et la retention d'eau dans la masse musculaire. C'est pour ça que j'ai expliqué une petite pincée hagdaya et un petit peu d'eau. Regardez les plats qu'on va manger et je vais l'expliquer bien. Voilà, ça c'est ma protéine. Je commence avec ça. D'abord le sel, une petite pincée de sel et de l'eau. Après je prends 5 à 7 dattes. J'adore mes dattes avec un peu de beurre de cacahuète dedans. Et après je me repose après je me repose 10 minutes. On va dire que je commence un tout petit peu sur Bahnaya. On se repose. Voilà, ça c'est mon repas. Après Tarawih, des ananas pour aider la digestion parce que je vais aller au lit dans 40 minutes. Du poulet, un tout petit peu de riz, pas beaucoup. Une salade et de l'eau. Et d'un macan. Je vais me réveiller, Inch'Allah, dans 3 heures, 4 heures. Après le repas, je vais lire le Coran. Je vais au lit. Après le soir, des dates avec du beurre de cacahuète, 200 g de flocons d'avoine avec de la caséine et des myrtilles, je crois vous les appelez, et de l'eau. Et je vais prendre une petite pincée de sel de mer, c'est tout, voilà. Comme je vous ai dit sur le PDF, je vais ça tout le mois. La veille du Ramadan, 94 kilos. Maintenant, je vais vous montrer comment je vais sécher et comment je vais reprendre la forme, Inch'Allah, et passer par tout le Ramadan. Et vous allez voir, Inch'Allah. Troisième jour, en ce moment, mon poids est 92 kilos. Comme je vous ai dit, très très important de focaliser sur votre congestion, 50% de votre capacité d'entraînement. Aujourd'hui, je suis en train de faire juste un petit peu d'épaule, des abdos et du triceps, et ne vous tuez pas. Comme je vous ai montré la bouffe avec le repas que j'avais pris, Tassor, il me tient tout le temps. Il est 2h moins 10, il me reste 6h pour le f'tor. Donc c'est super pour moi. Et bien sûr, je vous ai dit, c'est ça votre chance unique, spécialement pour les endomorphes, pour vraiment avoir un rééquilibrage, perdre de la graisse, si vous mangez seulement Ramadan. Donc, les gens qui sont secs, ils vont être encore plus secs, donc mangez de la bonne qualité, focalisez sur vos entraînements, votre bouffe, votre eau, buvez beaucoup d'eau le soir, bien sûr, en petite quantité, le sel de mer, comme j'ai dit à Batman, les gens tous sont en train de paniquer. Une petite pincée, fulltor, une petite pincée fshar avec de l'eau, ça va vous aider beaucoup. Je me sens même pas, j'ai même pas les sensations que c'est le Ramadan. Enfin, je le sens dans l'air, bien sûr, parce que qui connaît l'ibada ou salat de garde, du côté d'entraînement, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs. Du côté d'entraînement, je ne sens même pas que c'est Ramadan. Je me sens super bien, alhamdoulilah. Juste, ça va être encore plus sec, regardez, hein, encore plus sec. 92 kilos, donc je vais descendre encore plus. Mais le petit même, focalisez-vous sur l'ibada au salat. Voilà.
Maintenant, je vais vous donner encore une mise à jour dans une semaine. Hakdaya. Nilgil, salam alaikum. Ciao.